épaules le tout. On joue. Là c'est bien là. Ou là là. Ah non, c'est pas expliqué les règles dans le manga. Hein. Je comprends pas comment tu peux faire un manga qui parle de Go et de même pas l'expliquer et que ce soit quand même super prenant, c'est ouf. Enfin si, ils expliquent bien dans les interchapitres, mais en speed là, ça fait maigre quoi. Et c'est le genre de truc évident que t'as déjà deviné en loose day quoi. Ouais, c'est marrant qu'on arrive à faire un manga génial comme ça, mais que tu comprends rien aux stratégies. C'est ça. Oh, what the fuck? Le dessinateur, il avoue même qu'il sait pas jouer au jeu. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est dingo. Smoke weed every day. Et boum! Hikaru no Go est scénarisé par Yumi Ota et dessiné par... Of all the vehicle's critical functions. 10, 9, 8... Takeshi Obata! Il est partout ce mec! Il est là! 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 Et supervisé par Yukari Umezawa, une professionnelle de Go 5ème Dan. Superviseur. Ouais, pour rendre les parties plus authentiques et vraiment ouf. Et ils ont pas choisi n'importe qui, une cinquième Dan, une joueuse professionnelle de talent. Et oui, au Go comme au judo ou dans certains arts martiaux, il est possible de mesurer la force de son adversaire grâce au Dan. C'est en quelque sorte sa force, puisque plus le Dan est élevé, plus on est face à un big boss. Et en Go, le maximum étant le 9ème Dan. Mais là, faut y aller pour être ce Dan-là. Ainsi, si un Dan inférieur rencontre un Senpai, c'est-à-dire un adversaire d'un rang supérieur, on va fixer un handicap juste et équilibré pour que chacun ait une chance de gagner. Ouais, enfin, chez les pros, l'handicap est souvent très faible quand même. Les gagnants de grands tournois reçoivent des titres, comme Oninbo ou Meijin. Et pour le cas de Meijin, c'est un peu la grande classe. Écoutez plutôt. Ça vient de Wikipédia. Meijin est un titre exceptionnel, aboutissement de toute une existence dédiée et sacrifiée à l'art, associant parfois la notion d'être divin, image symbolique pour mieux faire comprendre la valeur, la richesse de celui qui détient ce titre honorable. Le terme de Meijin signifie grand maître, grand homme accompli, être d'exception. Bitch, please. Mais bon, on vous parle de Go, mais vous savez toujours pas ce que c'est en fait. Et vous ne le saurez pas non plus en lisant ce manga. Mais nous, on est gentils, et puis on a un Goban exprès, donc bah... Bah, vous avez pas le choix, en fait, hein. Seldos. C'est un grave, hein. C'est incroyable. Le jeu de Go se déroule sur un Goban, une grille de 19 sur 19. Vous pouvez comparer cela avec les dames ou les échecs, mais ça serait tout de même un affront. C'est un jeu de stratégie où le but est de former avec des pierres noires ou blanches des territoires. Tenez votre position. Vous posez les pierres sur les intersections l'un après l'autre. Un territoire se forme lorsque vos pierres encerclent au moins une intersection. Il est interdit de poser une pierre dans un territoire si elle va directement mourir. Ça, c'est un territoire. Un petit, ça, c'est un territoire. Un grand, ça, ce n'est pas un territoire. Et ça, c'est la bite de Takeshi Obata. Une couleur peut d'ailleurs en prendre une autre en l'encerclant. Dans cet exemple, le noir encercle blanc. On enlève donc les pierres blanches et on constate qu'un territoire s'est formé. Tout est lié. Et c'est tout, ou presque. Le reste réside dans des subtilités du jeu, ou bien dans vos méninges. On vous invite d'ailleurs à essayer. À 30€ le Goban sur internet, c'est pas non plus horrible. Et sinon, vous pouvez jouer sur internet gratos et vous faire défoncer la rondelle par un japonais. Oui, oui, c'est du vécu. C'est dur. Qu'est-ce que tu fais? Mais dis donc, on n'a pas encore parlé du manga. Eh ben dans ce cas, Go! Bon, en général, on n'est pas fan des noms en japonais, mais bon, là, Hikaru, le nom du personnage principal, Go, c'est le thème du manga, et No, c'est la marque du possessif. Ça passe. Pour cette fois-ci, on dit rien. Ça va. Vas-y, passe à autre chose. Ah,
Transition de partout là. Ah, c'est l'histoire d'Hikaru Shindo, un écolier de 10 ans qui va trouver dans le grenier de son grand-père un vieux goban, et sauf que ce goban est hanté, hein. Mais par un fantôme vachement sympa. Comme Casper. Le petit fantôme. Il s'agit de Sai Fujiwara, l'ancien professeur de Go de l'Empereur. Il s'est suicidé suite à une défaite contre un autre professeur de Go rival qui avait triché. Bah forcément, il avait des yeux noirs, le gars. Il est forcément méchant. C'est une convention, c'est comme ça. Noir, méchant. C'est dommage. Son âme étant tourmentée, il n'a pu gagner les cieux et il hante le goban en attendant de pouvoir fusionner avec l'esprit d'un mortel. Avant de se relier à Hikaru, il aurait hanté une autre personne, Oninbo Shusaku, un joueur de Go du 19e siècle qui a bien existé et qui est devenu, il paraît, hein, le patron du Go. C'est qui le papa ? C'est Oninbo. C'est qui ? C'est Oninbo. Onin papa. Onin papa. L'objectif de Sai étant de réaliser le coup divin, c'est-à-dire le coup parfait, imparable, bien, badass. Bien, qui est bien, tu vois, tu sais. Bah qu'est-ce que t'as fait ? Bah je t'ai détruit mon pote. Ah ouais non mais vas-y réfléchis. Vas-y je... Non mais... Même pas la peine que je revienne mec hein. Même pas la peine. C'est bon. Et donc Sai s'est relié à Hikaru et il va le forcer à jouer au Go au début. Le problème c'est qu'Hikaru va jouer sa première partie contre Akira, un jeune prodige du Go, et il va le défoncer à mort et pour lui foutre bien la rage il va lui dire... C'est la première fois que je joue. Désolé. Akira va donc devenir le rival d'Hikaru. Ah bah de toute façon, faut toujours qu'il y en ait un. Et petit à petit, Hikaru va prendre plaisir à jouer au Go et il ne demandera plus à Sai de guider sa main. Mais il le gardera comme prof. Bah il peut pas s'en débarrasser, donc bon. Maintenant, pour en finir tout de suite avec cette question, parce que ça n'a pas lieu d'être, c'est Obata, c'est beau. Même le dessin est un petit peu différent. En effet, Obata a la capacité de savoir adapter son style à son public, et même si ça reste édité dans un shonen, il change de style, ou alors même il l'améliore, au choix quoi. Il faut noter l'importance des mains dans cette série, elles sont toujours belles et gracieuses, et tenir une pierre est tout un art. D'ailleurs, on ne voit que très rarement les mains de Sai. Ici, Obata et la scénariste nous montrent que Sai est dans l'incapacité de jouer par lui-même. Il n'en sera d'ailleurs probablement jamais capable. Cependant, Greg a des problèmes avec certains character design et surtout un. Non mais c'est vrai, regardez-moi Sai. Bref, on dirait clairement une meuf quand même. Regardez-moi Sai. Si Sai était féminisé, c'est pour vous rappeler l'époque où il vivait, où les hautes classes sociales prenaient soin, mais alors très, mais très très soin de leur corps, quitte à perdre en virilité. Après ça, le cadrage est toujours réussi, les arrière-plans sont nombreux et de qualité, sans être pour autant surchargés, et on sent toujours l'émotion voulue. Enfin bref, du Obata quoi. Et en plus d'un super dessin, le manga arrive à tenir en haleine. N'oublions pas qu'on parle de Go là, c'est pas la meilleure éclate du dimanche non plus. Alors que dans leur tête... Ah, il essaie de me prendre ma bordure gauche, sale coquin. Je vais attaquer sur ma droite. Tiens ! Ah merde, ma bordure gauche. Faut que je consolide mon territoire. Tu as pas volé celle-là. Territoire est mort, je tente le tout pour le tout. Le coin gauche est à moi. En effet, tout au long du manga, les personnages s'améliorent, leurs coups deviennent de plus en plus précis. Cependant, nous qui sommes néophytes, on ne s'en rend pas vraiment compte. Mais la présence de Sai en tant que commentateur des parties permet de suivre l'évolution des personnages. Parce que si je m'étais là... Oui, mais j'aurais pu mettre là, limite. Oui, mais si tu m'étais là... La scénariste arrive à créer des enjeux, de la tension, du stress, alors qu'en général, on ne voit même pas les parties en cours. C'est parce que ce serait... limite indigeste. Donc pas besoin d'être fan de Go pour lire ce manga. Au final, c'est l'évolution de base d'un manga de sport. Ah, de base. Nous, on est très réceptifs à ce genre de manga.
où on pousse l'émotion que procure le sport à son paroxysme. Et le manga ne manque pas le coche, on vit les émotions d'Hikaru de manière très forte, ses victoires comme ses défaites sont très bien retranscrites. De plus, là où un manga de sport traditionnel se limite à une année avec un tournoi d'été et un d'hiver, avec le traditionnel, c'est la dernière chance pour les terminales d'avoir la coupe, ici dans Hikaru no Go, on s'en fout. Puisque le manga ne se limite pas dans le temps, les personnages vieillissent et s'ils perdent un tournoi, eh bien ils n'ont qu'à retenter l'année prochaine. De plus, l'objectif est individuel, devenir professionnel. De plus, Hikaru, même en devenant plus fort, reste une vraie quiche quand on lui parle de l'univers entourant le Go. Eh bien oui, le Go ce n'est pas qu'un jeu, c'est aussi une grande tradition comme les arts martiaux, il y a du respect, des procédures, c'est carré. Ah bah ouais, les Japs quand ils font un truc, c'est à fond quoi. Et Hikaru est comme le lecteur, c'est un néophyte, et donc on va apprendre avec lui. Bon, c'est un peu facile, mais au moins, c'est pédagogique. Surtout qu'avec ce manga, on ne fait qu'effleurer tout ce qui concerne le monde du Go. Cependant, on peut voir parfois les festivals, les tournois, et même parfois la triche. Bah oui, c'est pas interdit de tricher, c'est interdit de se faire prendre. Comme dans à peu près tous les jeux. Je t'ai vu ! Mais ça reste une bonne introduction pour voir les différentes facettes du Go, mais ce n'est pas un manga technique pour autant, même quand ils utilisent des termes techniques. Ne comptez pas sur ce manga pour améliorer votre jeu au Go, ici les parties sont limite psychologiques. On ne voit jamais précisément les parties, seulement les jeux de regard, ou la fin de la partie, avec un découpage très simple de l'action, qui nous donne même l'impression de vivre la partie. C'est très étrange, parce que le Go est un jeu de stratégie, il faut donc se creuser les méninges. Or, ici, c'est de la lecture plaisir. Ce qui est sûr, c'est que ça vous donnera envie de jouer. Et c'est peut-être la meilleure chose que pouvait faire la scénariste. Et c'était sans doute le but. C'est chier quand même, hein. Greg ! Quoi ? Non, j'avais juste envie de défoncer la porte.